Pendant tout l'après-midi, mon père m'a aidé pour de nombreux petits travaux. Donc du coup, le soir, c'est de nouveau barbecue. Regardez, on a tout nettoyé, on a mis le bois pour le barbecue bien en place. Et hop, on refait une petite tournée. Alors malheureusement, il faut éviter de faire trop de barbecue comme ça. Généralement, on dit un barbecue par semaine. Mais bon, en plus, là, on a pris des saucisses bio, donc c'est quand même un petit peu mieux. On évite les sels de fonte si possible. Et on a mis des pommes de terre dans du papier alu. Comme ça, ça fait une double cuisson en même temps. J'ai également mis une patate douce dans du papier alu. Et je peux vous dire que c'est vraiment délicieux, la patate douce cuite de cette manière. En commencement, bien sûr, on avait aussi des crudités, des petits œufs durs. Et pendant que tout ça, ça cuit, je leur ai montré le colis qui m'avait été envoyé donc par Vénillard. Un colis incroyable avec plein de belles choses dedans. Des belles peintures, des beaux objets fabriqués main en résine époxy et autres matériaux. Et après, j'ai préparé les galettes. Donc là, bah, c'est très simple, hein. C'est la fameuse galette bretonne, plus précisément rennaise, galette de blé noir et non pas crêpe. J'ai mis du cheddar dedans, j'y ai ensuite mis les saucisses et je les ai remises à chauffer. J'ai sorti les petites pommes de terre du feu. Donc là, on peut voir qu'elles sont bien cuites et c'est une méthode de cuisson qui est vraiment très 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 sympa avec un goût hyper agréable de fumée. On s'est donc bien régalé en famille à refaire à l'occasion. C'était vraiment très chouette.